Hey yo tout le monde, c'est William31, on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Star Wars Outlaws, enfin la suite des quêtes secondaires, hein, parce que l'aventure principale c'est en live comme d'habitude. Mais là c'est une vidéo, les quêtes secondaires c'est en vidéo. Donc nous sommes à Mirogana. Et nous allons faire des quêtes pour le clan des Hutt. Ah, j'ai pas dit le cartel cette fois. En off, j'arrête pas de dire le cartel. Faut savoir que ça fait plusieurs fois que je recommence ce passage. Parce que Nyx arrête pas de bugger bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, le truc suivre la trace, le truc qu'elle fait d'habitude là. Bah, elle a tout simplement décidé de ne pas le faire. Le truc où on appuie sur L1, elle ne veut pas le faire. Et j'étais rendu à la fin de la mission. Ça là, le truc envoyé Nyx. J'étais obligé de redémarrer le jeu. Du coup, on va aller faire cette quête-là. Du coup, je la connais par cœur, la quête. Désolé, hein, mais je l'ai déjà faite à cause de... Je l'ai déjà faite. Et j'ai eu un bug, du coup. J'ai supprimé la vidéo. J'avais fait 1 heure de vidéo. Hein. J'avais même fait une quête secondaire qui était... qui était celle-ci, là. Merde. Avec elle, pour les capacités. Intérêt de marcher hein, cette fois. Surtout que la quête en plus elle est simple. C'est le business les gars. Allez quoi. Bon par contre hein, ça s'arrange toujours pas avec les pikes. Et vous allez voir que ça va pas s'arranger aussi avec le Bakerlet. Mais bon, je vous spoil pas trop, je vous laisse découvrir la quête. Hein. Non mais sérieux. Elle a... Ah je vous jure, elle a pas intérêt de bugger. Hein. Elle a pas intérêt de bugger, Nyx. Normalement cette vidéo sortie est prévue pour sortir le mardi... Merde, le mardi... 1er octobre. Normalement, à 17h30. Là, au moment où je tourne cette vidéo, l'épisode 1 des quêtes secondaires est sorti. Oh, on a réussi. Tu bug pas, hein, c'est bon, Nyx. Hein, on pourra ouvrir la porte. Du coup, je connais déjà toute la mission, vu que j'étais rendu à la fin et qu'à la fin, elle a décidé de buguer. Salut, c'est Véric qui m'envoie. Je m'appelle Monda. T'es nouvelle, toi? Mon nom, c'est Kay. Ça, c'est Nyx. D'accord, Kenix. Voilà le boulot. Faut entrer, faut prendre la liste des clients, et ensuite... C'est pas forcément passionnant, hein, les quêtes secondaires, c'est pour ça que je l'ai fait en vidéo, tranquille. Enfin, celle-ci est passionnante, parce que c'est en rapport avec le clan. Là-bas. C'est ce que j'aurais aimé faire avec le clan Ashira, ouais. Dans le premier épisode, si j'avais vraiment su ce qu'il fallait faire. Je m'en sers tout le temps. Allez, hop, pour récupérer la bombe. J'ai plus qu'à poser cette bombe. Vous inquiétez pas, je sais pas où passer, hein, pour toi. Vu que j'ai fait la quête tout seul, comme un grand. J'ai déjà la miniature adéquate et tout. Et les trophées, ça avance bien, du coup. Je répète les trucs que j'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai supprimée, du coup. Mais les trophées s'avancent bien. Même si je galère toujours autant sur quelques trophées que je n'arrive pas à avoir. Accroche-toi bien. Monda, c'est quoi l'histoire avec ces animaux? Des Robuma. Ils puent, mais avec un certain traitement, leur peau peut passer pour du cuir de Gold Dark. Vous voyez, la relation avec les Pikes, hein, c'est toujours pareil, hein. Très mauvaise. C'est maintenant ou jamais.
Mais ça, j'y peux rien. Pomme. Mixi, pas de bruit. C'est pas moi qui ai décidé d'avoir une relation bizarre, une relation nulle avec les packs. Enfin si, c'est moi qui ai décidé. Mais bon, j'étais obligé pour le trophée. Mais là, je vais me racheter. Il y a tellement de trucs à faire pour avoir de la réputation. On peut faire des contrats, des missions comme ça là. Si j'ai bien compris, c'est des misses, des merde. Mince, qu'est-ce que je veux dire? Ah voilà, c'est des quêtes de syndicats, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Phoenix, les trucs que je fais là, c'est des quêtes de syndicats. Et les quêtes de syndicats, à mon avis, ça doit rapporter un max de pognon et aussi de réputation. Elle est où cette liste de clients? Où elle est passée? Moi je sais où elle est la liste de clients. Maintenant. Ok, cool. Allez là. La liste est peut-être sur ce palais de track. Je voulais sa cinématique, hein, mais je l'ai déjà vu. Tu gâches ton talent avec les huttes. C'est quoi ça? Une offre. L'aube écarlate veut savoir qui fait affaire avec les Pikes. Donne-moi cette liste et on sera gagnantes toutes les deux. On fait quoi? Bon, bah, vous allez voir que l'aube écarlate, ça va être exactement pareil que les Pikes. Hein. Et si jamais je dis non? Maintenant que tu sais pour qui je travaille, je peux pas te laisser partir. Véric m'a recruté pour faire un boulot. Alors je vais le finir. Dommage. Non, c'est pas possible! On peut vraiment faire confiance à personne. Et voilà, l'aube écarlate très mauvaise. Hein. Regarde ça. Hop. Parfait. Viens, Nyx. On s'occupe de ce générateur. Du coup, le générateur, je sais qu'il est en bas. Il m'est impossible de trouver un. Hop là, dégage. Ok. Et Nyx, t'as pas intérêt de bugger, s'il te plaît. J'ai pour envie de recommencer le. De relancer le jeu. Que moi j'ai rien touché. Il va très vite ce compte à rebours. Vas-y, Nyx. Voilà, tu bug vois quoi. Nyx. Pourquoi il fait ça? Va te faire enculer, Nyx. Putain, je t'ai pas dit de faire ça. Pardon, Nyx, hein, mais. Je t'ai demandé d'ouvrir. C'est bien, Nyx. Je t'ai demandé d'ouvrir. Je t'ai pas demandé de faire la morte. Je l'adore, Nyx, mais là, elle m'a énervé. Parce que. Elle buguait. Je ne pouvais pas l'envoyer ouvrir la porte. Ça ne marchait pas. Allez, Jabba, j'espère que tu vas être content. Hein. De toute façon, j'ai déjà la miniature de prête hein, pour ces quêtes secondaires. Au pire, je vais appeler ça quête de syndicat vu que c'est vraiment des quêtes de syndicat. Vite, ça va péter! Prendre nos distances et appeler Véric.
Verek, le boulot est fait. Ah, je savais que tu réussirais. Retrouve-moi au Daruda, à l'espoir de Jonta. Tant que je prends pas le vaisseau, ça va. Et en fait, j'ai fait l'erreur de prendre le vaisseau pour me rendre aux quêtes, quoi. Aux quêtes normales. Et en fait, ça a lancé la quête principale. Et vous avez peut-être loupé aussi un dialogue avec Jaylon, mais bon. Je... Patronne, vous m'offrez encore un verre? Elles ont un problème de retardateur, vos bombes. Ça a marché quand même, pas vrai? T'as la liste des acheteurs? Votre ami Monda a tenté de la voler pour l'aube écarlate. Tu t'es occupé d'elle. Elle ne m'a pas vraiment laissé le choix. Je t'aime bien, Kaïves. Les Huts seront ravis. Réputation augmentée. Beaucoup. Toujours en médiocre. Ça fait plaisir. Tess. Récompense. Ok, le Trailblazer. Non, c'est le blaster. Ok, bah on va continuer. On est rendu à combien de temps? 12 minutes. Bon, oui, on va continuer. Alors, journal. Suivre. Localiser. Voyage rapide. C'est que comme ça qu'on peut se déplacer. Parce que si on prend le Trailblazer, ça lance la cinématique. Ça lance une cinématique. Ça lance la cinématique de mission principale. Tu rêves, les flambeurs ne laisseront jamais jouer comme moi. C'est fini pour aujourd'hui. Bienvenue à l'Alcazar, le pire endroit sur Akiva. MD5 me dit que vous avez du travail pour moi. Ton droïde, justement, affirme que tu viens de Kanto. Tu dois bien connaître les Phasiers, je présume. Ouais, je suis déjà allé aux courses. L'Alcazar perd des crédits à la table des Phasiers. Ça, ce n'est pas normal. Bah, les courses sont truquées tout le temps, après tout. Pas là, non. Quand quelqu'un gère une arnaque dans ma cantina, mieux vaut que je sois impliqué. À toi de découvrir comment cette personne se débrouille. Et donc, qui je dois débusquer? Tu veux que je fasse ton travail à ta place? Pose des questions à la table des Phasiers. Ok. Et vous financez mes paris, si je réussis? Non. Maintenant, dégage. Connard. Pardon. Bon, si j'ai bien compris, c'est une quête en rapport avec les Huts aussi. Ne faites pas attention à moi, j'étais destiné à autre chose qu'à balayer. Ah bon? Les habitants vont vouloir nous arracher la tête. Alors, ça gagne aujourd'hui? Si seulement. J'ai du mal à croire que Comète Chanceuse me fasse perdre autant de crédits. Vous savez, j'ai vu quelqu'un tout empocher l'autre jour. Sauf la table. Ça doit être sympa. Ça devait être Wirla. Vous laissez pas duper. C'est pas que de la chance.
Cet Aqualish doit avoir des pistes en interne. Ah, comment ça? Je ne sais pas. Demandez à ses amis à l'atelier de réparation. Faites attention à vous. Merci. Du conseil, mec. Allez, c'est parti. Non, je suis content que ça n'a pas buggé, la quête. C'est un boulot qui donne soin. Je suis content que la quête ne soit pas n'est pas buggée. Ouais, c'est bien une quête des huts, hein. Ouais, oui, c'est le logo des huts, c'est bon. À fond, je le fais à fond. Huts, hein. Même s'il y en a qui me demandent, ouais, Obekarat, blablabla, ou Ashiga. Ashiga, de toute façon, c'est bon, j'ai eu le trophée. Gagner autant de crédit. Vous êtes en train de parler de Wirla. Je me trompe? Vous la connaissez? C'est non. Compliqué. À ça, je veux bien le croire. Depuis qu'elle gagne gros avec les Fazers, elle a vraiment changé. Ouais, ça je sais bien. Elle est blindée de crédit, mais elle reste ici au milieu de nulle part avec nous. Et elle veut pas payer la machine qu'on a installée dans le district des Pikes. Elle en fait quoi de ses crédits? Eh ben ça, j'aimerais bien le savoir. Ah d'accord. Les amis de Wirla ont mentionné sa machine d'arcade. C'est là que je la trouverai. Elle est dans le salon de Sabak. Je peux t'aider? Non, ça va. Oh putain. Chez les Pikes, oh mon dieu, mais je suis au rouge avec eux, vous prenez. Tiens, qui ne savait pas que je suis au rouge avec les Pikes. Putain de merde. Je suis comment, moi, je suis au rouge avec eux. Oh, salut. C'était Jorgoat. C'est ton dernier avertissement. Hey, ne t'approche pas de ce blaster. C'est bon, je sais. Ça va être compliqué, putain de chiasse. Ah, hey, ça vient de finir. Viens ici. Quel comportement violent. Je vais vous tirer dessus. Salut, tu veux faire affaire? Tout doit disparaître. De bonnes choses. Les prix sont ridicules ici. Désolé les Pikes, mais je vous aime pas. C'est pas ma faute. Je vous jure. Enfin, disons que c'est pas que je les aime pas, mais vu que j'étais c'est avec vous que j'étais le plus bas, bah si vous me laissez rentrer. C'est où qu'il faut passer? J'aime pas les points. Putain. Ah là. Allez, Wirla, tu peux te permettre de m'aider. Je sais que t'as gagné le gros lot en plus. Et je suis censé te croire. J'ai vu combien tu gagnes. Ça doit être Wirla.
Il nous faut cette tablette, Nix. Jouer, Nix. On file d'ici et on va prévenir Surat. Allez, hop, on le quitte. Surat ? J'ai trouvé votre gagnante, une certaine Wirla. Mais c'est qu'un petit pion impliqué dans quelque chose de beaucoup plus gros. Quoi ? Tu as seulement un nom à me donner ? Non, j'ai aussi un lieu. Elle doit remettre ses gains à quelqu'un dans une ferme à l'extérieur de Myra. Je suppose alors que tu vas aussi assister à cette rencontre. Ouais, ouais, je m'en occupe. Excusez-moi. Mia. Ok, y a pas un... Y a pas un voyage rapide. Voyage rapide, voyage rapide. Nope, évidemment. Ça aurait été beaucoup trop simple de faire un petit voyage rapide. Allez. Ça arrête pas de se plaindre, hein, ces Stormtroopers. Ils ont mal au dos. Combien de temps de vidéo là ? 22, bien. Enfin, 23, presque. Non, faut pas que je rentre dans le Trailblazer, sinon ça lance la cinématique. Ah, faut pas que je rentre dans le cockpit, mais bon, c'est presque pareil, hein. Allez, viens, mon speeder. Prêt à y aller ? En vrai, j'aime pas comment c'est indiqué parce que. C'est labyrinthique de ouf. Les points là. Tu penses prendre le bon chemin en fait, non? Là qui te dit que j'ai pas pris le mauvais chemin par exemple. Surat, j'y suis. Il faudrait être là d'un moment à l'autre. Bien. Pas d'erreur. Là j'y suis presque. Bonjour l'Empire, ça va ou quoi? Ça farte. Monsieur. Nix.
Ah, j'arrive toujours pas à conduire cette merde. Dégage. Vous êtes chiants les packs, franchement. Je comprends mieux pourquoi je vous ai laissé. Ouais. Mort. Voilà, je vais rester là et attendre du coup. Ne demandez pas de trahir les. Les huts, hein. Voilà Wirla. Mais à qui elle parle? Avec les pikes. Je dois me rapprocher. Pas de bruit, Nix. On doit écouter ce qui se passe. Elle parle avec les pikes. C'est évident, non? Tu les reconnais pas? Regarde, c'est des pikes. Hop, dégage. Les doudous. Rien, on veut rien aujourd'hui. On aurait pu faire ça à Mira. D'après mes sources, Sura était au courant à propos de tes victoires. Tu n'as pas fait attention. Elle va surfer. Côte avec les pikes. Ben ça se voit, non? Surat, c'est les Pikes. Je crois qu'ils trafiquent les courses. Mais comment? Les courses sont gérées depuis quand au Byte? Je suis pas sûr. Je vais me pencher sur le sujet pour en savoir plus. Les Pikes gèrent une mine de cristal sur Akiva. Commence là-bas. Ok, ça va être une mission beaucoup plus longue que les Huts, du coup. Ok, on va prendre le Trailblazer, le Speeder. Je déteste les routes. Enfin, les points surtout. Ça aurait rien coûté de mettre des flèches sur les routes. Dans Jusqu'au 4 par exemple, il y avait des flèches. C'était beaucoup plus simple, on se rend compte, j'avais pas de trajectoire. Putain, comme par hasard, elle se prend un caillou, cette connie. Phoenix. Tu es à moi, Kaven.
signifie quoi exactement? Ce n'est pas disparu, c'est compliqué. Les tuyaux seront notés quelque part. Cherche une tablette. Trouver des... tuyaux. Ah, sur une tablette, oui, ok. De ce qui me semblait. Tablette, mais je sais pas où aller, moi, votre tablette. Ah ben là. Ok, on a ce qu'il faut. On reste pas à l'annexe. Avant de contacter Surat, je pourrais voir si les tuyaux sur la prochaine course sont bons. Ouais. Ah d'accord, c'est la mort.
un peu de fric au poire. Voyage rapide. Voilà, c'est mieux. Allez. Il nous reste combien de temps? Il va falloir, il nous reste comme du temps quand même. Je crois que j'ai un trophée en rapport avec ça d'ailleurs. Servir pour tricher, je crois. Si j'ai bien compris, elle veut s'en servir pour tricher. Je crois qu'il y a un trophée. Alors, il y a de l'action aujourd'hui sur la piste? Brûle-piste a droit à un accueil chaleureux aujourd'hui. L'avion de Minok trotte vers sa porte. What a Minok spit kunaja prison atima. Et voilà l'avion de Minok, toujours aussi fougueuse. Silap galop sajama mon gutuluka otolunade. C'est reçu une info. Une autre prétendante au titre de nouvelle coureuse de l'année. Noga tinka ja pizga titoki ja kulus pumba auto fish. Et voilà Galosilop prête à faire sa marque. Mais oui, mais c'est qui le fasti? Je passe mon tour. Je ne me rappelle pas la dernière fois que les gradins étaient aussi pleins. Mais oui, mais c'est lequel? J'ai pas lu, putain. Alors, qui a l'air le plus prometteur? Ah, c'est une air fausse. L'accident d'hier soir, sûrement encore frais dans les mémoires, et surtout celle des jockeys. Trackburner, stout no lia grancha chapaton. Les jockeys et les phaseurs sont tous en forme et prêts à courir. What a saw man from Nabuja Elder Pulga! Tous ces choqués qui veulent remporter la victoire aujourd'hui! Mais putain, mais je comprends rien, course truquée de quoi là? Les palefreniers font les ultimes préparatifs près des portes. Uba Kaba Rima Jamada Cha Fadir Sapota Jeyoto. Quelle belle journée ici à Cantobite, avec dans les tribunes des invités de marque! Course truquée.
Et voilà Clavio de Minoc, toujours aussi fougueuse. Uba kaba rima jamada cha, fadio sapota cheyoto. Petites oreilles, toujours imprévisibles, s'approchent de la piste. Gigi wajo gobos, ov busta joki stuta horkotong. Petites oreilles n'a pas l'air très enthousiaste de courir aujourd'hui. Plaza interceptor, stut ritinka. Clavio de Minoc trotte vers sa porte. Une bonne tête de vainqueur, toi. Mais je comprends rien, c'est quoi? Merde! Ils peuvent pas me le dire lequel c'est! Non, je sais pas, là. Voir le journal. Mais je comprends rien, c'est quoi le mec qu'il faut parier, c'est qui? C'est lui. Cette fois, j'ai un bon pressentiment. Et voilà l'homme de Naboo qui s'avance avec détermination. C'est qui? Bon sang, je comprends rien. Tu peux faire mieux que ça? Ça alors, le tuyau était bon. Je devrais contacter Surat. Ok, alors le tuyau était bon. Okay. Tu profites bien de tes gains. Qu'est-ce que vous voulez? Tu bosses pour Surat et on le sait. On aimerait qu'il ne soit pas mis au courant. Mm-hmm. Vous payez pour ça? Évidemment. Tant qu'il ne sait rien de notre arrangement, tu seras rémunéré. T'inquiète pas. Ok. Je vais y réfléchir. Veuillez faire place afin que je puisse balayer les restes de ma dignité. Tu as pris ton temps, dis-moi. Faut dire que les Pikes aiment pas vraiment qu'on fouille dans leurs affaires. Dis-moi plutôt ce que tu as appris. Alors voilà, il trafique les courses. Les Pikes bossent avec quelqu'un de Kanto. Quelqu'un qui soudoie les jockeys. Bon à savoir. Je peux m'en servir et proposer un meilleur contrat. Comme quoi, je m'en suis pas mal sorti. Tu as fait ton travail. Ce sera tout. Bonne. Yes. Non, c'est pas ça, c'est le blaster que je veux, moi. Blaster. Ok, Nyx, ok, ouais. Quoi?
crois que je suis en bon terme avec le cartel des Hutt. C'est utile pour rester en vie. Yeah. Alors, il me reste combien de temps? Pas beaucoup. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on va continuer dans la prochaine vidéo. J'ai tout dit à Surat. Les Pikes seront pas contents quand ils vont le savoir. Qu'ils s'énervent. Se ranger du côté de Surat, c'était le bon choix. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on va continuer dans le prochain épisode. Il me reste quoi à faire en vrai? Merde, le journal. Alors. Il me reste ça. Peut-être quelques contrats ou je sais pas. Peut-être que les Hutt vont enfin me laisser passer dans leur truc. Et il y a des missions qui vont se. Ah bah tiens, on va regarder là. Ouais, il me reste que toute Tatooine fait. Oh, ok, une mission sportive, ça. Cantina. Ok, l'Aube écarlate. Cartel des Hutt. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo sur Star Wars à Oclo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!